Bonjour, ici Émile Guy, membre de la grande famille de Jean Godard et d'Antonias Pitt-Guy. Dans cette courte présentation, je veux vous faire connaître un petit coin de chez nous où je suis né, où j'ai grandi et où plusieurs de mes frères et sœurs ont vécu une partie de leur vie. Commençons par l'endroit très connu, le Rod and Gun. C'est ici que mon père est né le 13 juin 1899. Papa est le premier enfant à naître dans cette région. Ce lieu est très important. C'est l'endroit où papa est né, où notre famille a pris ses racines pour aller rayonner ailleurs. Cette photo de famille a été prise dans cette maison vers 1907. Papa, garçon d'environ 8 ans, est le premier à gauche dans la rangée du milieu. À l'automne de 1895, notre grand-père Louis Guy est venu avec son beau-père Cyril Monette et un ami de la famille Moïse Guérin pour y construire 3 chantiers pour loger leur famille et des bâtiments pour leurs animaux. Cyril s'est installé dans la région de Moletteville. Pensons-y, il n'y avait aucun chemin dans cette région. De Sturgeon Falls, il fallait traverser le lac Nipissing et suivre le cours d'eau. Cyril Monette était un homme très influent. Regardons cette belle maison construite en 1896, agrandie à 2 reprises. Elle a logé le bureau de poste. Cyril a accueilli les nouveaux arrivants au quai. Il a vu à mettre sur pied l'arpentage des terrains, une commission scolaire. Il a été même le premier maire du canton de Markland. Il était un homme exceptionnel, dont nous devons tous être très fiers. Son épouse, Odile, était une femme très courageuse. Lisez le premier album de famille, Monette, Cyril et Odile, afin de mieux connaître ces braves pionniers. Cet album fait partie d'une collection de l'histoire de nos familles en photo que Claude Maillet a publiée. Cette série a été préparé pour le centenaire de l'arrivée de Cyril Monette à Monetteville en 1895. Les 5 et 6 août 1995, des centaines de descendants ont participé à cette grande fête. Louise et Raymond Guy ont fait revivre le trajet ancestral de Sturgeon Falls à Monetteville en canot. Je tiens à signaler qu'une croix de chemin construite par Gilles Monette a aussi été érigée. Cyril Monette n'était pas le seul à venir construire ses chantiers à l'automne de 1995. Il avait avec lui son gendre, Louis Guy, époux de sa fille Sarah. Leur mariage a été célébré en 1883 à la paroisse Sainte-Famille d'Aumont, près de Maniwaki. Sarah a eu 12 enfants. La voici ici avec 8 de ses enfants. Son époux, Louis Guy, est décédé à l'âge de 45 ans. Elle, qui n'avait que 44 ans, avait un jeune bébé de 3 mois au décès de son époux. Papa, lui, avait 9 ans. Grand-maman avait encore 6 enfants de 15 ans et moins.
Luigi et Sarah Monnet sont nos grands-parents. Le premier ancêtre de Luigi à venir s'établir au Canada était Jean-Guy, citoyen de La Rochelle. Jean-Guy était un armurier. Nous pouvons lire sa belle histoire dans le numéro 9 de Nos ancêtres, ainsi qu'à la page 70 de l'album Monnet. Au recensement de 1666, on retrouve Jean-Guy, 26 ans, habitant de l'île d'Orléans. Il a épousé Marie Leroux ou Lheureux à Sainte-Famille d'Orléans. Le père de Sarah Monnet était Cyril, qui se nommait Alexandre Boisvert à sa naissance. Le nom de famille a changé deux fois depuis le premier ancêtre de la lignée de Sarah, et cet ancêtre s'appelait Étienne de Nevers, originaire d'Espinay en France. Il a épousé Anne Hayon à Québec en 1652. Parlons maintenant des ancêtres de ma mère, Jeanne Godard. Eux aussi sont venus de la France. Étienne Godard a épousé Marie-Madeleine de Lavoie à Sainte-Anne-de-Beaupré en 1687. Claude Guérin a épousé Marie-Jeanne Cusson à Montréal en 1696. La date et le lieu du mariage de tous ses ancêtres sont inscrits dans ce grand tableau généalogique. Dans l'album Monnet, j'ai noté nos gloires et des faits d'intérêt. Des auteurs célèbres, Pamphile Lemay, Louis Fréchette et Albert Lozeau, ont les mêmes ancêtres que nous. De grands hommes politiques tels que Georges-Étienne Cartier, un des pères de la Confédération, a œuvré afin d'améliorer les relations entre francophones et anglophones. Des personnalités religieuses telles que le cardinal Liger, le Saint-Frère André, la bienheureuse Délia Tétrault, fondatrice des missionnaires de l'Immaculée Conception. Et comme je suis fier de la famille Monnet et de m'inscrire dans la descendance de Jean-Guy, d'Étienne de Nevers, d'Étienne Godard et de Claude Guérin. Et si je fouillais assez loin, je découvrirais sans doute que j'appartiens à la famille de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, dont les parents sont les saints Louis-Martin et son épouse Zélie Guérin. Un peu essoufflé suite à ce long voyage au pays des ancêtres, revenons dans notre petit coin de pays et retrouvons mes parents, Jeanne Godard et Pete Guy. C'est ici que mon père est né, en 1899. Au décès de grand-papa Louis Guy, mon père s'occupait de la ferme à 9 ans. Grand-maman Sarah avait encore 6 enfants de 15 ans et moins. Les frères Emery et oncle Joe que j'ai bien connu, étaient partis travailler. Papa a connu toutes ses responsabilités très tôt dans sa vie. Pendant la guerre de 1914, il a même surveillé le pont de la rivière Nescout, qui se trouve au nord de Pointe-au-Barry. Oncle Joe a combattu 2 ans pendant la guerre de 14 à 19. Il faisait partie du Royal 22e Régiment. Comment se fait-il qu'Antonia Oski épouse Jeanne Godard à Espanola le 24 septembre 1917? Vers 1915, le père de Jeanne, Gélim, surnommé Samuel Godard, échange sa belle terre à Castleman contre un moulin à scie, propriété de M. Noé Paget. Ce moulin à scie était dans la baie des Chantiers, à Monnetville. Grand-père Godard voyait d'un bon œil cet échange, car il avait 9 garçons. Ceux-ci pourraient ainsi travailler avec lui dans les chantiers de moulin à scie, tandis qu'en demeurait à Castleman, ses fils auraient été obligés de déménager loin de la famille pour gagner leur vie. Du
toujours est-il que grand-papa Godard n'a jamais employé le fameux moulin-ci qui a coulé à pic à travers la glace dans la baie des Chantiers au printemps de 1916. C'est donc à Monnetteville que Pete et Jeanne se sont connus. Il y avait des noces chez oncle Joe la Violette. Pete, voulant être accompagné, avait demandé à cette belle jeune fille venue de Saint-Albert pour l'accompagner. Au cours de l'année qui suit, la famille Godard déménage à Mekero, puis à Espanola. Et le 24 septembre 1917, âgé de 18 ans, Antonias épouse Jeanne Godard, qui aura ses 17 ans le 12 octobre suivant. Notons que grand-maman Sarah Guy épouse en seconde noce M. Israël Venn le 21 octobre de la même année. Voyons où papa a travaillé. De 1918 à 19, KVP à Espanola. 1920, livraison de courrier pour Louis Lachapelle à Monnetteville. 1923, il retourne à Espanola pour la Spanish River Company. 1924, à Kapuskasing. 1928, il s'en rapproche et va travailler à l'affinerie Coppercliff et ils habitent rue Leslie dans le Moulin Fleur. En 1930, suite à un accident, en allant conduire une nièce à Blind River, papa retourne à la ferme paternelle près de la rivière Wolseley. Il fait la livraison du courrier encore pour M. Lachapelle. De 31 à 51, papa est jobber dans la foresterie. Il va faire prendre des coupes de bois, va dans les chantiers, achète et revend le bois camionneur. En 51, à Kapuskasing avec les Morrison, il s'est porté garant de l'entreprise qui a fait faillite. Afin d'éviter la perte de la ferme, il l'a vendue à Louis-Jean. Que d'ennuis causés. En 1952, Jeannette leur offre la maison de M. Chartrand. Cette maison qu'elle avait achetée, où elle voulait se construire une maison elle-même. Nos parents pourront y vivre tant qu'ils le voudraient. Ma mère regrettait sa belle maison neuve. On a rénové la cuisine, revêtu les murs extérieurs de stuc et le toit de tôle. J'ai même aidé Dave Legault à construire un garage et une remise. Papa est allé travailler dans les chantiers, cette fois comme chore boy. Il a aussi déneigé les chemins en hiver. En 1954, nous croyons tous que papa allait mourir. Il n'a jamais pu travailler jusqu'à son décès en 1958. Maman, elle, est allée faire la cuisine à l'hôtel jusqu'à son mariage avec Pepe Bigras en 1963. En plus de répondre aux besoins de la famille, la ferme aidait pour les chantiers. On y élevait des porcs, on faisait de la récolte des foins, le pâturage pour les chevaux. Maman aussi allait travailler comme cuisinière dans les chantiers avec papa et nous étions gardés par Yvette et une tante. Nous, les enfants, nous faisions les travaux de la ferme. Je vous présente maintenant mes frères et mes sœurs avec leur famille. Roland et André Renaud, Louis-Jean et Rita Guideau, Yvette et Ernest Saint-Denis, Jeannette et Elwood Renaud, Hervé et Estelle Séguin, Gérald et Lorraine Routier, Rita et Aimé Bigras, moi, Émile et Claudette Bégin, Normand et Adèle Coulombe, Gilles et Cécile Servant, Claudette et Claude Coulombe, Réginal et Yolande Prévost. Je suis né le 24 juillet 1936
dans une maison que papa avait achetée à M. Donald Mears. Mon enfance s'est passée dans cette maison que papa a vendue par la suite à oncle Léo Charon en 1942. En route vers Noëlville, faisons une pause et visitons un peu l'endroit où j'ai connu Sarah Monette, Guy, qui est devenue pour moi ma mère Ben. Elle avait épousé Israël Ben en seconde noce. Quand je demandais un agneau à Père Ben, il me répondait « Donne-moi ta mère et je te donne un agneau. » Je n'ai jamais eu d'agneau. Prenons un petit moment pour regarder des photos de l'école de Chartrand Corner que j'ai fréquentée en première année, puis celle qui l'a remplacée quand j'étais en cinquième et qui est maintenant la propriété de Lise et de Gérald Carrière. Retournons à l'école de Monetteville, où j'ai débuté dans l'enseignement. Puis, dépassons le village pour nous rendre à l'école Champlain. C'était ma deuxième année d'enseignement. J'avais les élèves de la 7e à la 10e année. Voici l'église de la paroisse Saint-David de Noëlville, où j'ai été baptisé, où j'ai reçu mon premier pardon et j'ai fait ma première communion et ma confirmation. Terminons notre visite en allant saluer nos chers disparus où leur corps repose en paix. Petite parenthèse, il n'y a pas de monument pour Louis Guy. Son corps avait été enterré dans le premier cimetière situé en sortant du village à droite, là où Gérard Beaulieu avait sa maison. Remercions-les d'avoir été des défricheurs, des semeurs et des bâtisseurs en faisant de cette minuscule partie du Canada un endroit où il fait bon vivre et grandir. Chaque jour, sachons dire merci pour tant de trésors, de bonté, de beauté, de générosité, de courage et d'amour qui ont fait de chacun et de chacune de nous des trésors à apprécier.